Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 8 novembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, j'attire de bonnes relations et de bonnes personnes dans ma vie. Je m'entoure facilement de gens positifs et sains. Et je me libère totalement de tout jugement, colère, culpabilité et totalement du passé. Et vous répétez cela 3 fois. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé la fille de feu. Épanouissement personnel. Alors, quel est l'essence de cette carte? Eh bien oui, comme c'est noté sur la carte, l'épanouissement personnel, mais pas que. Il y a le courage. Cette carte est l'essence de courage. Cette carte est aussi l'essence d'espoir et de l'innocence. Cette carte est aussi l'essence de l'amour, de la foi, de la confiance que vous pourriez avoir, que vous avez en vous. Prendre la vie eh bien, au sérieux et surtout avoir confiance en elle, n'est-ce pas? Alors le message intérieur de cette carte, vous ressentez une relation profonde vers la nature spirituelle de toutes les créations et vous envoyez au ciel un signe de votre connaissance intérieure. Rappelez-vous que l'unité existentielle, dont vous faites également partie, eh bien, ne cesse jamais d'exister, peu importe, n'est-ce pas, ce en quoi vous croyez en tant qu'être humain ou ce que vous pensez d'elle. Si vous retrouvez cette unité dans votre vie et que vous pouvez la réaliser pour vous, eh bien, vous retournez alors dans votre centre intérieur. Quel est le message de cette carte extérieurement? Eh bien, pour certains d'entre vous, vous êtes prêts, capables d'émettre cette force que vous avez en vous et cette énergie pour vous adapter votre propre rythme de vie. Il vous suffit de faire confiance à votre force de vie, n'est-ce pas? Pour certains d'entre vous, vous avez ce manque de confiance. Donc là, on vous invite. Et cette carte, elle vous élèvera au ciel. Si vous avez confiance en vous. Plus vous vous reposez avec confiance sur les forces secrètes qui dirigent et protègent votre vie, eh bien, plus il est certain qu'elles vous mèneront au but que vous souhaitez. Et c'est ainsi que vous pourrez voir votre chemin qui se tracera clairement devant vous. Donc, on vous demande d'avoir confiance sur les forces secrètes qui dirigent et protègent votre vie. Encore une fois, c'est ce manque de confiance en vous. Vous mettez des choses en place et puis
par ce manque de confiance, vous abandonnez. Mais il ne faut pas abandonner. Vous avez la force intérieure. Donc, puisque vous avez cette force intérieure, eh bien, extériorisez cette force pour pouvoir continuer votre chemin ici sur Terre. Faites confiance en la vie. Faites confiance en vos forces que vous avez. Vous avez la possibilité, n'est-ce pas, d'adapter à votre propre rythme votre vie. Eh bien voilà, c'est une belle carte, hein, n'est-ce pas, pour ceux et celles à qui cela va parler. Je termine avec l'oracle de l'évolution. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Alors, vois grand, vois beau, tu en es capable. Vivez vos rêves, ne rêvez pas votre vie. Qu'est-ce que vous espérez présentement? Qu'aimeriez-vous présentement? Posez-vous toutes ces questions. Et encore une fois, eh bien, on revient à cette carte, la fille de feu, épanouissement personnel. Vous avez la force intérieure comme extérieure pour mettre sur pied ce que vous aimeriez et ce que vous désirez. Très beau message, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, et prenez soin de vous en douceur. C'est important. Pour ma part, je vous retrouve demain et je vous embrasse. À demain.